J'en ai un. Beau petit doré noir. Yes, c'est le premier. Oh. Ah, mais quand tu le remets à l'eau, tu peux être tes points. Non. Les étoiles du midi. Non? Et on va pouvoir le garder vu que c'est un doré noir. Hein? Mm. Tu peux ça? Bravo! Point pour le pain, lui-même! Ouais. C'est ça? Pogné? Ça doit être pogné. D'abord, on va avancer dessus. T'en as-tu un? Ah, t'en as? Ah ben. Pour vrai, là? Bien sûr! Un barbu? Oh, c'est un beau doré! Tabarnak! Wow! Hey! C'est beau! Il est beau! On va le mesurer. Il était trop vraiment. Hey, j'ai dit, il est beau! C'est genre, c'est un 25! Non, mais c'est bon, c'est bon. Le plus gros doré à carreaux. Et ça va être bon, là. Il y a beaucoup, beaucoup de roches. Ah oui? Mais ça? Un barbu? Ouais, amène-le par ici, Caro. Laisse-le se dérouler pour qu'il pète tout. Là. Ah, il est gros. Ah, mais il est gros, il va partir. Tiens-le bien haut pour qu'il se poigne. Amène-le ici. Ah, il est gros. Ça, c'est moins 20, ça, hein? Il parle. Bon, un beau barbu pour Caro. Il parle. Gay, écoute-le. Il burk. Oh, c'est une beau poisson, beau poisson. Fait que c'est Caro à quoi? À 15. C'est ça? Oh, yes! C'est peut-être un doré. Ouais. Bon. Un petit doré noir. Okay. Un beau doré noir, on prend les. Ça fait toi, là. Ouais, hey, ça va bien, Caro. Ouais, ah ben oui. On peut garder. Oui, doré noir. C'est un? C'est un doré, ça? Oh, normalement, t'es correct. Ouais, c'est un petit doré. Ouh, un beau petit doré. On va le remettre à l'eau, peut-être. Ouais, il est pas gros. Hein. Je t'ai vu, c'est juste que je me sens un peu dans. On va le remettre à l'eau, il est un petit peu tout petit. Oui, il compte pas. Ça compte. Ben oui, il compte. Hein? Petit doré. Oh, t'en as un! Yes! Ouais. Oh, c'est un beau! Doucement. Non, tiens-le encore. C'est beau, c'est un doré. Ouais! Wow. Hey, wow! Il est bien beau! C'est pousse! Hey, il est beau, hein, t'es? Hey! Mon coup, il y en a rien! Yes, c'est Michel, bravo! Hey, il est vraiment nice. Beau! C'est 17. Qu'est-ce que tu connais ça, hein? Regarde, good job, ah, ben ouais, t'as pas de chicken. T'en as un? Caroline, Caro, on va changer de l'heure. Ouais, un petit doré. Ouais, maudit, je me suis fait voler mon verre. Juste, mais. Pas rester.
Bon, un autre doré pour Caro. 45! Ça va prendre une coupe de bord rayé pour la rattraper. Mais moi, c'est une rig, là. Mm-hmm. Je sais qu'il est tout petit, lui, puis on le garde pas, puis il est quasiment triste de l'avoir pogné. Un autre? Oh, oui. Oh oui! Une fiche! Une vraie pro! Fiche! Un barbu! Ah ouais! Un barbu! Il fait pour elle qu'il est venu. L'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Tu penses que c'est pas un bon rayé? Ah, c'est un bon. Ok. Oh, il est gros! Ramène-le pas trop proche de ta canne pour qu'il la casse. Laisse... On va le donner la mise à l'eau. Oui, oui, c'est... Il est quasiment accroché ma ligne en partant. Même mon dieu. Alors, je vais prendre dessus, mais. Un autre perche blanche pour Caro. Ça, je pense que c'est légal. Oui. C'est gros, ça. Nico. T'as combien de points, toi? 55. 55 points? Nico, il y a 5. Ah, t'enregistres, oui, j'ai 55. Fait que Caro, elle payera pas la crème glacée, ça c'est sûr. Oh, la belle-mère, elle a un poisson. Attention. Oh, un petit doré. T'as-tu vu que c'était fait, là? T'as donné un coup, puis il a revolé, là. T'as plus sûr. Parce que, à un moment donné, là, tu vas péter ta canne ou bien tu vas le péter. Ah, il est tout petit. On va le remettre à l'eau. Bravo, ben ça fait 10 points. Yes, sir. Lâche-les. Et il ferme sa bouche dessus. Hey, je te dis que je suis contente. C'est un doré noir. Hey, yes! J'ai aussi tout mis dans l'eau pour ici quasiment que je l'ai pogné. Bon, je vais me mettre là-dessus moi aussi. Ça en va dans le fond, hein? Ouais. Un autre barbu. Le gros barbu sale. Ouais, c'est un barbu. Tu perds des points encore. C'est genre de... Oh! 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 Hé, hey, j'ai plus de verre! Bon! Attention! Allez, c'est... hop! J'ai pas de feu! On va appuyer sur le bord! On aime ça de même, c'est facile à remettre à l'eau! Ah! Oh, un autre point pour Caro! Bon, ben un autre poisson pour Caro. Un barbu. On va appeler ça un poisson. Oui, je sais. Oh! Je pense que j'en ai. Oh, t'en as un. Lève-toi de bout. Lève-toi de bout. Un gros barbu. Oh, c'est un barbu. Hey, j'en ai un aussi. Oh, Chris. Oh, c'est un doré, c'est sûr. Et les petits dorés qu'on va remettre à l'eau. Ça fait un 5 points de ma mère. Un petit doré pour moi. Ah, il est gros. On va le remettre à l'eau tout de suite. Oh. Ouais, laisse faire. Il est juste à croire. Il est juste bien flotté. Oh, les gagnants! Et si bois, c'est gros ça! Et ça a quasiment l'air d'un bon rayé. Ah, ça tire! Ah, c'est peut-être un barbu. Ah, c'est un barbu. Mais. Oh! C'est le jig en plus. Putain. Il est gros aussi. Il est gros en plus. Ouais, la pille. Elle est rendue où? Tabarnak, ça pille, hein? Je sais que les roches à l'autre bout de la boule. Ouais, hein? Non? Oui.
Oh, il est pesant. Hey, c'est bon. Et ça, le gros barbu, toi. Ouais, ça arrête pas de me faire mal. J'en ai un. Oui, oui, oui. Oh que oui! Ça va être encore un astuce. Oh tabarnane de Colin! Ah, il est gros! Je vais juste mettre le moteur sur reverse. Oh, et laisse-le combattre. Ok, okay. Vas-y, ramène. Quand il arrête de tirer. Vas-y. Ah, bah oui. Un barbu. Ben, un gros doré. Ah, un gros. Moins 20 encore. Ouais, c'est peut-être un gros doré. Peut-être être chanceux. Non, il combat pas, mais c'est... Ici, boire. J'ai hâte d'envoyer ses gros. Laisse. Ouais. Le barbu qui tourne. Attention. Il faut que ça soit un brochet. Ah, ouais, ça se pourrait. Vas-y. Ah, c'est un barbu, j'y vais à cul. J'y vais à cul, c'est un gros barbu. Attention, rentre ta canne dans l'eau dans ce temps-là parce qu'elle va casser. Sacrifice! Ah, c'est un peu. Il a vu le fil. Il combattait, lui. Non, c'est un barbu. Oh, ouvre ton moulinet. Bon, un autre poisson pour la belle-mère. Hey, c'est moi qui ai pogné le plus gros. Il est gros en tabarouette. Hey, je te dis là. Il est à combattre. Hey, check ça à gueule. Check ça comme est-ce qu'il est gros. Pas trop accroché. Mais tu donne un gros bec. Il a un gros bec. Un beau frère. Tab, ben ouais, il est au moins 25 c'est pouces. Couleur. Tab. Attention, bye. Salut, bye. Bye. Bon, c'est ça. Un autre barbu. Ok, arrête. Tirez le plus, là, parce que. Ah non. On va tout péter. Oh, oui. Yes. Hey, il pique, lui aussi. Déclenche le moulinet. Est-ce que je pense jamais? Pas grave. Hey, il pique, lui aussi, quand c'est une belle herbe. Ben, d'après moi, oui. Ben, ça ferait printemps. Ben, bon, ben. Un autre pour. Encore un barbu. Par contre, ça serait d'autres choses qu'un barbu. Oh, non, c'est pas un barbu? Non, c'est un beau doré. Oh, wow, il est beau. Oh, yes. Oh, nice. Yeah. Hey, une belle couleur. Wow. Je suis content. Yes! Il est beau! Lui qu'on va pouvoir le garder, c'est un 19-20 pouces. Super! Nice! Ça va faire des beaux fumets. Je m'attendais pas à ça, j'ai voyé tirer, j'ai dit, bon, il y a un autre barbu. Mais il tirait, mais il est gros, c'est pour ça. Ah oui! C'est un peu, là. C'est drôle le bruxelles. Bon, ben un autre barbu. Il a mangé mon verre. Eh oui. Moi, il est accroché sur le bord. Ouais. Il est accroché sur le bord. Bon, ben Caro, un autre point. Oh, il s'est cogné après. C'est vrai, j'en pas du niveau. Eh oui. Tu t'y es mangé? Il est en train de cochonner le. Il est en train. Là, tu te bats la
même demain, ils seront durs. Un autre barbu. Merci. Pour la belle-mère. Bon ben, en tout cas, ça a été une super belle journée. Très agréable, on a pêché beaucoup de poissons. Là, je voulais simplement vous parler de l'équipement qu'on avait utilisé. Premièrement, l'arme de prédilection, c'est la canne lancée léger. Force moyenne, 6 et 6. Action rapide. Avec un moulinet grosseur 3000. Filtre C, 15 à 20 livres. Bas de ligne, monofilament fluorocarbone, 15 livres. Avec un jig, 3 quarts d'once à 2 onces. On fait un nœud avec une petite loupe. Ça donne beaucoup d'action. Là, on a pêché beaucoup avec ce leurre-là. C'est un poisson paddle tail. Très efficace dans le fleuve. J'ai pêché beaucoup de poissons avec ça. Dans les couleurs fluo, blanc, rose. C'est ce qui m'a donné le plus de résultats. Ensuite de ça, ce qu'on a utilisé, on a utilisé le spinner rig. Spinner rig, qui est ce petit leurre-là. Là. C'est un harnais à verre avec une cuillère. Très efficace dans le fleuve. La pêche à la dérive, à la traîne. Très efficace. Avec un plomb 3/8 d'once en avant. 3/8, c'était suffisant pour la journée qu'on pêchait. Ça descendait jusqu'à dans le 20 pieds. C'était parfait. Et puis, le fil tressé, là, il y en a beaucoup qui pêchent avec du monofilament. Moi, j'aime vraiment le fil tressé pour le fleuve parce que le fil tressé, quand vous pêchez dans des plans d'eau comme ça, qui a beaucoup de courant, ben, ça vous permet de ferrer le poisson malgré le courant. Et vous êtes capable de sentir la touche. Il n'y a pas d'élasticité dans le fil, fait que quand vous ferrez, ça ferre puis vous manquez jamais votre coup. Puis c'est très très durable comme fil aussi. Puis il n'y a rien de mieux que ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, là, laissez un petit j'aime. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Puis on se voit dans des prochaines aventures. Salut, à la prochaine!